Ah, voilà. D'ici, on voit très bien Saint-Martin de Boscherville. Qui êtes-vous? Ah, eh bien, j'espère que vous ne cherchez pas là l'amour, car les lieux sont très peu propices aux belles histoires. Ah, ici, ce château que vous regardiez il y a quelque instant, il s'agit du château du Corset Rouge. Sanglante histoire que celle-là. Voulez-vous que je vous la contasse? En do mineur. Il y a de cela très longtemps. Hein? Oui, je peux aussi la faire sans. Bon. Au XIe siècle, à la place de ce château, se trouvait la forteresse de Bardouville, appartenant au seigneur Bertrand, un homme assez brutal qui n'aimait que la chasse et la guerre. Or, à ce moment-là, existait aussi dans la région un certain Raphaël Capelli, un petit noble sans grande importance, qui tomba fort amoureux de la belle Yolaine de Montigny, la plus belle des femmes de Normandie, dit-on. La belle Yolaine et Raphaël s'aimaient d'un amour pur, mais le père de Yolaine préféra marier sa fille à Bertrand de Bardouville. Désespéré, Raphaël décida de devenir moine dans le monastère juste en face, là-bas, à Saint-Martin de Boscherville. On dit même qu'il en devint l'abbé. Les années passèrent et les amants ne s'oublièrent jamais. Or, il advint, alors que Bertrand était parti guerroyer aux côtés de Guillaume le Conquérant, que leur fils tomba malade. On fit quérir l'abbé du monastère voisin, connu pour ses remèdes, qui n'était autre que le moine Capelli. C'est alors que Yolaine reconnut Raphaël, et que Raphaël reconnut à son tour Yolaine. Malgré les années, le charme n'avait rien perdu de sa puissance. L'enfant guérit, et l'amour reprit sa place. Les amants décidèrent de se revoir à chaque absence de Bertrand de Bardouville. Mais comment prévenir l'abbé lorsque la voie était libre? Il fut décidé que lorsque les circonstances le permettaient, un linge serait tendu à la fenêtre de la châtelaine. De son monastère, Capelli pouvait donc guetter le signe. À ce signal, le moine courait à travers champs et traversait la Seine à la nage. Les printemps perdus étaient retrouvés en ces matins d'automne. Les nuits étaient courtes et douces pour les deux amants dans cette chambre surplombant le Val-de-Seine. Las, les belles histoires ne durent jamais, et il fallut bien que le mari rentrasse de guerroyer. Alors qu'il était dans le navire le ramenant d'Angleterre, il entendit parler d'une rumeur, selon laquelle une châtelaine du pays déshonorait son mari. S'imaginant déjà cocufié, Bertrand décida de rentrer très discrètement dans son domaine. C'était une nuit de pleine lune et une étoffe flottait sous la fenêtre de Yolaine. Il gravit les degrés en silence et vit sortir de la chambre de sa femme une silhouette dans l'obscurité. Saisissant son épée, il courut sus à l'inconnu et le transperça de part en part. Entrant dans la chambre et pointant vers sa femme l'épée ruisselante du sang de son amant, Bertrand l'en menaça. Comprenant la mort tragique de son aimé, Yolaine s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, Bertrand de Bardouville essuyait son épée sanglante sur le corset chiffonné de Yolaine. À compter de ce jour, le sieur de Bardouville contraint son épouse Volage à porter le macabre vêtement, enfermé dans le donjon. Yolaine devint folle et mourut de tristesse quelque temps plus tard. Voyez, mon ami, si les histoires d'amour en ces lieux ont de belles destinées. Ah oui, donc ça c'est la version que vous avez retenue.
Je connais plutôt la version où Yolaine est innocente. Je peux? En si majeur. Il y a de cela si longtemps que Yolaine...